Il est moins 5, mon adjudant. Et alors? C'est l'heure de l'entracte. C'est l'heure de ma piqûre. Et alors du hold-up, on dormait, évidemment. Toutes les heures. L'heure H est arrivée. Voilà, alors explique aux Américains que c'est une question d'heure. C'est l'heure H. J'attends mon heure. J'arrêterai le grand J à l'heure H. À cette heure-ci? L'heure, c'est l'heure. Le déjeuner, 12h30. Le dîner, 19h30. À quelle heure on va arriver? Ah, je ne m'occupe jamais de l'heure. J'ai rendez-vous à 11h avec le ministre. Quelle heure il est? Ah, oh, ben j'ai encore le temps d'y aller, j'ai envie d'y aller. Y a-t-il une heure qui vous conviendrait pour venir me voir à mon bureau? À quelle heure peut-on lui porter les photos à la gare? 4h pile. Quelle heure est-il? 8h30. Quelle heure est-il? Minuit 5. Quelle heure est-il? 8h15. Quelle heure est-il donc? 9h25, il est en retard. En retard? Vous arrivez avec 2 heures de retard! 2 heures de retard? Ça fait 1 heure qu'on devrait bouffer les kilomètres. Ça fait des heures que je réclame le 62 à Ajaccio. Mais enfin, monsieur, ça fait 2 heures que vous nous retenez ici, moi et mes secrétaires. Ça fait 2 heures que ça dure. 2 heures! Et ça dure depuis plus de 2 heures. Ça va faire 4 heures qu'on roule. Vous n'avez pas pleuré toutes les 2 heures, non? Je vous donne 48 heures. Dernier délai. Vous faites mariner le tout, 48 heures à l'étouffer. Dans 2 heures, le dispositif doit être en place. Vous avez 2 heures devant vous, ça ira très bien. Vous avez 1 heure. On dîne dans 1 heure. À 1 heure du matin. N'oublie pas qu'on a rendez-vous à 2 heures à la chorale. Oui. La police, chez moi, à 2 heures du matin. La police est chez elle partout, et à n'importe quelle heure. Il était 2 heures du matin. C'est fini, Winter, un joli cœur à 2 heures du matin. Les 3 heures du matin. Par pitié, Hubert, il est 5 heures du matin. 5 heures, êtes fou folle. Demain, 5 heures chez moi pour le thé. Demain matin, 7 heures. Non, ce soir, 7 heures. À 7 heures pile, j'envoie. Alors, soyez là, à 7 heures. À 8 heures, oui. Monseigneur, il est 8 heures. On devait partir à 7 heures. Eh bien, il est 9 heures. D'habitude, ils ouvrent à 9 heures. Oh, il est à peine 9h30. Alors, pourquoi venez-vous me déranger à 8 heures du matin, mon domicile personnel? 9 heures chez vous. 9 heures. Il est 11 heures du matin. La main sur l'apéro alors qu'il n'est même pas midi. Toi, restaurant à midi. À 14h30. Vous irez les accueillir au train de 15h45. À 16h30, dans la salle de répétition, n'est pas m'adresser la parole avant 10h du soir. Une dame comme vous se promener à cette heure-ci dans les rues de Madrid, c'est pas prudent. Vous l'avez mise au lit de bonne heure, hein? À 8h. Ça, toujours à 8h. C'est mieux. Je viendrai ce soir à minuit pour votre départ. À minuit. Heure H, demain, 11h30. Mettez vos montres à l'heure. 16h17. Alors, à quelle heure est-il? Minuit moins 6. Bon, j'avance de 2 minutes. Non, mais je retarde de 3 minutes. Voilà, faut pas perdre de train. Hop. Bon, t'as vu l'heure? Allez, on y va. C'est à cette heure-ci que vous rentrez tous les deux? Ça fait des heures qu'on vous attend. Blague chez moi, cette heure-ci. C'est à cette heure-ci que tu rentres, toi? Tu as vu l'heure? Vous avez vu l'heure? Ah, excusez-moi.